Qui reste tranquille, retrouve dans la ruelle derrière l'unicorne. Je fais un truc et je suis là direct. Roméo Miskin, il m'a dit ouais, j'ai pas envie qu'il meure, Dick. On est dans la merde. Roméo m'a appelé et il m'a dit qu'en fait Lazare et Mia veulent mettre une balle dans la tête. Pour l'instant, ils sont pas armés. Et il me semble que Mia n'a plus d'armes. En gros, ça veut dire que si on veut passer à l'action, c'est ce soir. Ouais, mais le problème, c'est que je peux pas vous aider, moi. Est-ce que je peux braquer Mia et Lazare, les emmener dans un coin du désert et leur mettre une balle dans la tête? Oui. J'aimerais appuyer en fait le témoignage de Monsieur Lazare Moreno par rapport à la plainte déposée à l'encontre de l'agent Sourdouf. Il n'y a pas de plainte déposée jusqu'à maintenant. Ah bah écoutez, ça sera une première alors. J'ai jamais porté plainte contre Sourdouf. T'es vraiment une merde. Ta gueule, wesh. Avec ta tête là. Tu crois que t'allais entendre un truc comme ça ou quoi, clochard? Qu'on soit clair, moi, je suis appris. Vous faites toujours partie des indiqués de la police. Mmh. Vous portez plainte contre l'agent qui est le plus en contact avec vous. Oui, mais justement, sergent, par rapport à ça, c'est une mise en scène, en fait, par rapport à Lazare que j'aimerais piéger, en fait. Bon, surtout mise à pied. Ça coûte combien, une arme? 4-5 000. Quoi? Et ton pote Pablo là, il a fait quoi après? Il est parti où ce mec là? Il a quitté la ville, je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles. Il avait un taser et c'est quoi ces histoires cheloues? Il avait même pas le PPR. Ouais, j'ai vu. Bah, je crois qu'il a ramassé l'arme. Mia, elle s'est fait péter, elle a de la weed sur elle. What? Descends. Lazare, descends. Descends. Je veux soulever Sourdouf, après ce qui se passe derrière, c'est pas mes histoires. Non, toi t'as pas compris en fait, Lazare. Toi t'es vraiment loin de la vérité en vérité. T'es vraiment loin de la vérité en vérité. Moi je te dois la vérité avant que tu meurs, tu vois. Moi je suis l'indic officiel de la police, ok? Et Roméo, c'était aussi un indic, tu vois. Mais il a merdé. Et Sourdouf, il l'a mis à pied. Ah bon? Ouais. Et le problème, c'est que Roméo, il m'a raconté des trucs sur toi, tu vois. Et je pense pas que Roméo puisse me mentir, tu vois. Parce que Karim, c'est son gars sûr. Et Karim l'a appelé en lui disant est-ce que c'est vrai que DiCaprio était recherché par Mia et Lazare qui voulaient lui mettre une balle à la tête? C'est des conneries, surtout que. Bah, c'est même, ce que j'ai même dit toi, au flic tu me l'as dit tout à l'heure. Et le flic, il peut confirmer. J'ai dit en plus, j'ai donné des informations pour que tu sois en sécurité parce qu'il y a des mecs qui veulent ta peau, des mecs en casque, okay. Et qui ont rien à voir avec moi en plus. Lazare. Qui détestent les indics et qui. Lazare. Ouais. Je te redonne ton téléphone et tu envoies un dernier message à Mia. Dis-lui que tu l'aimes. Dépêche-toi. Je voulais pas en arriver là ici, hein, Lazare. C'est fait? Ça a été fait. Ça prend ton téléphone. Écoute, Lazare, moi je dis, y a qu'une balle qui dit la vérité, tu vois. Si j'appuie sur la gâchette. Je sais pas que ça se passerait comme ça. Et Dick. Que l'arme s'enraye, c'est que j'avais tort. Si que j'appuie sur j'avais la détente. Pas envie que ça se passe comme ça, Dick. Et que t'as la encore part, le choix, réfléchis. C'est que la balle avait raison. Ok, Lazare. Pourquoi t'es comme ça avec moi? À 3. 1. 2. 3. Terminé comme DiCaprio, on sent la mort, il est scaprié. Certains mettent la coque dans sa plié. Mon tableau, si t'as pas habillé. DiCaprio. Déterminé comme DiCaprio, on sent la mort, il est scaprié. Certains mettent la coque dans sa plié. Mon tableau, si t'as pas habillé. DiCaprio. La balle avait raison. On me la met pas à l'envers, mon pote. Allô, John. Salut, bébé, comment vas-tu? Ça va et toi? Ah, ça va. Est-ce que je pourrais te parler de vive voix? Ouais. Alors, laisse-moi finir vite fait une affaire et je suis dans mon cœur, ok? D'accord, parce que là, c'est très très important en fait, hein. Mais vraiment. Ça marche. Ok. Je suis dans ta cul. À tout à l'heure. Je t'aime, bisous. Bisous, je t'aime. On vient de choper Mia avec du sale, elle va prendre cher, terminé. Une soirée, Wulda Attaï. Karim, ça va ou quoi? Une soirée, Wulda Attaï. Non. Oui, ça va et toi? Ça va ou quoi? Ouais, ça va, ouais, tranquille. T'es où? Bah, moi, je suis devant le comico au calme. D'accord. Attends. Bah, écoute, j'arrive, hein. Vas-y, dépêche-toi, wesh. Vas-y, j'arrive. Eh, hey, j'ai une bonne nouvelle, hein. Allez, c'est parti. Lai. Et on est compétao. Et hi. Les on est compétao. Vas-y, viens devant le comico, viens. J'arrive. Je suis à 5 km, j'arrive. A tout de suite. Il y a au moins 7 flics, fais attention. T'inquiète. Pour le point de vente. Parce qu'en fait, Lazare, il voulait vraiment la mettre à l'envers, tu vois. Ça a été confirmé par Roméo, qui a été confirmé par Karim. Et j'ai demandé l'autorisation, en fait, auprès de Sourdouf. Voilà. Lazare, mon pote, tu voulais faire le plus malin, mais... Tu voulais être plus malin que moi, mais... Malheureusement... Wesh, Roméo, ça va quoi, mon pote? Pas censé être avec Lazare. Mais où, Karim? Là-bas. Hey, attends, viens, je sais pas. Attends, mais pourquoi il est là-bas? Il est où, là-bas? Il parle avec les Schmitt, juste... Ouais, tu voulais me dire quoi, Roméo? Tu vois, Lazare. Ouais. Lazare, il veut te buter. Ouais. Et leur plan, tu vois, ça reste entre nous. Je l'ai dit à Karim, mais ça reste entre nous trois. Ouais, c'était quoi leur plan? Leur plan, en fait. Ah, pardon, excuse-moi. Est-ce que je, en fait, je me suis trompé de muscle. Excuse-moi, Hibi. J'ai changé de muscle, en fait, entre temps. Leur plan, en fait, c'est de capturer l'agent fond de ouf. Ouais. Et de te faire porter le chapeau, quoi. En
en gros. D'accord, ok, ouais. Moi, je vois. Et après, éventuellement, de foutre une balle dans la tête, soit... Ouais, ouais. Ouais, non, mais ouais, c'est ce que m'a dit, c'est ce que m'a dit Karim. Mais t'inquiète pas. Tu sais, Lazare, en ce moment... Ah, tu l'as buté? Bah... Voilà, quoi. Tu l'as buté? Bah, voilà, quoi. Tu m'as compris. Bah, dis-moi oui ou non. Bah, à ton avis, ça veut dire quoi, ça? RIP. Rest in peace, bitch. Il est où Karim là? Tu lui as dit quoi? T'inquiète, t'inquiète. Je te dirai ça. Il est où Karim? Pas devant le comico, tu vois. T'as rien, tu m'as rien, t'as rien dit. Non, t'inquiète. Mais t'es malade ou quoi? Jamais de la vie, wesh. Ouais, je dis c'est Karim et puis c'est Surdouf en fait qui a balancé, tu vois. Et de toute façon, frère, là où il est, il s'en bat les couilles, hein. De toute façon, que j'ai balancé ou pas. C'est moi là, tu vois, j'essaie de, d'être infiltré. Ouais, ouais, non, mais t'inquiète, t'inquiète, je suis au courant. Hein. Je suis au courant. Il est où Karim? Ah, il est là, ok, ok. Karim! Il se bat le cœur, tu vois ce que je veux dire? Karim, 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 Karim! Oh là là, oh là là, oh là là! Karim! Pou! Lazare, t'as des nouvelles ou pas? Aucune nouvelle. Karim, Lazare, tout là-haut. Il est mort? Tout là-haut. T'as fait ça sans moi? Frère, je pouvais pas faire autrement, frère, ça aurait été trop suspect, tu vois. Mais, Mia, il s'est fait péter. Je lui ai demandé, en fait, j'ai demandé à Lazare de lui écrire un dernier SMS avant de mourir. C'est ce qu'il a fait, tu vois. Et je lui ai mis à Sahabi une balle dans la tête à Sahabi. Balle dans la tête, balle dans la tête, balle dans la tête, non, sérieux, ça veut dire il est mort. Comme ça, frère, comme ça. Le 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 mamma mia. Attends, faut que je parle à John. Je parle à John. Vas-y, va, va. Ouais. C'est moi qui l'ai balancé. Ah ouais? Ok, ok. Eh, unicorn, unicorn, c'est où? Unicorn, c'est où? C'est où, unicorn? Vas-y, viens, viens, viens. Vas-y, vas-y. Dépose-moi vite. Vas-y, vas-y. Mais en fait, toi, t'es l'indic de John, non? Non, je suis pas l'indic. C'est juste que. Bah, vas-y, tu m'as dit ça tout à l'heure. T'es l'informateur, quoi. Hein? T'es l'informateur. Ah, je t'entends mal, Fumi. C'est juste, elle m'a saoulé, du coup, j'ai... Ah, ok. Vas-y, dépose-moi. C'est bon. Bah, y'a rien. Non, mais dépose-moi Unicorn. Dépose-moi parking Unicorn. Je vais parler à Surdouf. Ok. Parce qu'en fait, c'est la tempête, là, tu vois. C'est bon, stop. Ok. Vas-y, bouge. Reste pas là, bouge. What the fuck? Il est où, lui? Unicorn? Ouais. Corn ou pas? Oui. J'arrive là dans 30 secondes, 20 secondes, je suis là. Vas-y. Tu vois comment il est posé au calme. Mec, il s'en bat les couilles, quoi. What the fuck, qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh là là, il est parti là-bas. Putain. Ah, d'accord, ça passe VIP, quoi. Attends là, ouais, désolé. Ouais, dis-moi. Ouais, John. Ouais. T'as des nouvelles de Lazare ou pas? Lazare, en fait, il est parti. On l'a laissé partir. Mais du coup, on a chopé sa copine. Alors, juste, je rectifie. Hein. Lazare, il est parti, mais il est pas parti. Ouais. Pourquoi? Ah bah, il est parti. Hein. Ah, tu t'en occupé? T'inquiète même pas, frère. Shit. Comme ça. Bat dans la tête. Écoute, okay. John, écoute, son plan était... Ouais, j'ai eu confirmation de deux personnes, tu vois. Son plan était de te kidnapper, de me faire porter le chapeau et éventuellement de me mettre une balle dans la tête. C'était Lazare, Mia contre toi et moi. C'était simple. Mia, écoute-moi. Mia, elle est en train de purger une peine. On l'a chopé avec 93 têtes de weed, tu vois. Je l'ai chopé. Elle est en train de purger une peine. Ok, elle est actuellement au comico. D'accord, dans les prisons, la cellule en bas. Okay. Le truc, c'est que en fait, elle va sortir parce que du coup, forcément, enfin, tu vois, elle n'aura pas le temps de purger la peine maintenant. Ouais. Du coup, elle va la purger ce soir, tu vois, sa peine, je pense. Okay. Ou demain. Okay. Attendez. Je vous laisse juste passer un appel. Surdouf, pour Central, est-ce que vous recevez? Attends, très très urgent, parce que la tempête arrive, faites sortir Mia Cruz de sa cellule, dites-lui bien de repasser demain soir pour purger le reste de sa peine. Détention de 93 têtes de weed sur elle, plus 2 500 $ d'argent sale. Wow. Plus refus d'obtempérer, etc. Wow. Voilà, clairement. Retour au bled. Oui, je sais. Oui, non mais elle oublie, mais le truc c'est que je veux qu'elle sorte de sa cellule, ok. Par contre, fais-tu bien payer les 2000... en fait, je crois qu'elle a 2000 et quelques dollars à payer d'amende. Donc, essaye de lui faire payer, parce qu'elle a toujours pas payé. Et dites-lui bien de passer demain soir, du coup, pour purger sa peine. La tempête arrive là, et on n'a aucun moyen de savoir si elle a purgé sa peine ou pas. Ouais, t'as entendu. En fait, là, elle aura purgé sa peine, tu vois. Ouais. Et en fait, elle a genre masse de trucs à payer. D'accord. Ah tiens, suis-moi rapidement, suis-moi. Tiens, bouge pas. Oh. Ah ouais, pas mal. Ok. Ouais, t'inquiète. Je te dis, on bosse main dans la main. Ah frère, c'est ce geek dans ce geek, hein. Frère, là, c'était chaud pour nous, des deux, hein.
On était dans la merde. Hein. Ah, de ouf. Eh, je t'ai sauvé tu m'as sauvé la mienne. Hein. Ah, mais t'inquiète. Eh, eh, il reste Mia. Il me reste Cruz. Mia Cruz. Mais je vais la soulever au calme. Regarde. Est-ce que tu peux me soulever tellement comme ça, là? Hadi. Tous les matins, Roya, tous les matins. Ah ouais. Wow. Tu mets d'abord Telma après le lait ou tu mets le lait après Telma? Grand débat. Je mets le lait avant. Moi, je mets le lait dans le Telma. Bon, écoute-moi. Ouais. Je vais aller vite là parce que je suis déjà en retard. Est-ce que t'es là demain? T'es là demain ou pas? Bien sûr, Roya, bien sûr. Ok, demain, on s'occupe du cas Cruz. Est-ce que c'est clair? Vas-y, ça marche, on fait ça. Ok. Allez. Encore une fois, n'oublie jamais. Mm-hmm. Ok. On est ensemble. Si jamais tu doutes sur moi, on est ensemble de ouf, frérot. On est ensemble, bébé. On est ensemble. Allez, de 7 à vous. Acharaba, terminé. Slama. Mia, je vais venir te buter, ma petite. Voilà, je vais venir te buter au calme. Alors je dois tout de suite changer d'habit déjà. Je dois changer d'habit, je dois changer de coiffure, je dois tout changer. Parce que là, à mon avis, vu qu'elle sait que Roméo la poucave, ça va mal se finir cette histoire. On va aller changer d'abord la coiffure. Je vais essayer de retrouver Mia en premier et de la buter. Ouais, parce que c'est soit moi, soit elle. Hein. Si elle me retrouve, elle me bute. Si je la retrouve, je la bute au calme. Donc déjà, faut que je m'assure qu'elle est en ville. Je vais appeler aussi Karim pour voir s'il est en ville. Et je vais appeler aussi Roméo. Roméo, je veux voir s'il a des informations sur Mia. Pour savoir où est-ce qu'elle se trouve, etc., etc. Même si je pense qu'elle va pas forcément... lui dire où, tu vois, elle va lui dire tu te fous de ma gueule ou quoi. Après, si elle est vraiment maligne, elle peut lui faire croire qu'elle est pas au courant et lui extorquer quelques informations, tu vois. Elle peut faire la meuf naïve, tu vois. Je sais pas. Mais là, clairement, la vie de DiCaprio est en danger. Si elle me bute, c'est mort RP. C'est-à-dire que je serais obligé de recréer un nouveau personnage. Et pareil, si je la bute, bah c'est mort RP, tu vois. Pour l'instant, on n'en est pas là. Oh, elle est bien la Porsche là. La Porsche, elle est bien. Je crois que je vais la prendre après. Parce qu'en fait, je vais appeler John, tout ça. Alors. Wesh! Ouais, ça va quoi, mon pote? Ça va et toi, bébé? Ouais, ça va, mon pote? On est ouais. Là! Ouais, hey, tu vas changer de coupe ou pas? Ouais, je vais changer de coupe. Vas-y. J'ai envie de me mettre rasé. Tu penses quoi de ma tête rasée, Rouyan? Rasé? Ouais, tout rasé comme ça, sa mère. Vas-y, hein. Ça peut le faire en vérité. Ouais, je suis pas beau gosse comme ça! On dirait pas Vegeta. Je suis pas beau gosse comme ça, on dirait pas Vegeta. Voilà. Énervé. Eh ouais, et moi, Sangoku. Sangoku bleu, frère. Voilà, Trunk. Au calme. Vas-y, je vais me changer. Eh, t'es venu comment, toi? J'ai venu avec Roméo, il était là. Ah, je l'ai pas vu. Il t'a déposé, il est parti. Ouais, il est parti, ouais. Vas-y, j'appelle. Je vais aller me changer, j'appelle John en même temps, ok, bibi? Vas-y. Je vais me changer à côté là-bas, là. Let's go, traire. Wesh, mon pote. Ça va? Ça va et toi? Tranquillement. On est là. Là, on va faire du sale, non? De ouf. T'es allé voir Karim à son hôtel ouais, ou pas? Ouais. Non, mais il était chez le coiffeur. Ah, ok, il t'a expliqué. Enfin, tu sais ce qu'on va faire. Ouais. Ok. Tu sais d'où le point de vente ou pas? J'ai des trucs à vendre déjà. Non. Ah merde. Tu viens d'arriver en ville? On va aller chercher ça. Ouais. Ah, ok. Moi, je suis prêt, bébé. Attends, j'ai une voiture, viens. Quatre places au calme. Pierre, beau gosse. Prendre la mienne. Elle est pas volée, la mienne. Bon, on s'en bat les. Frère, par rapport à ce qu'on va faire, on s'en bat les couilles, hein. Voler, pas voler. Vas-y, mais bon, au pire, tu vois, c'est le cas de prendre l'amende, hein, au pire du pire. Ouais, c'est pareil. T'as passé ton PPR, Romain, ou pas? Non. T'attends quoi, là? Moi, je crois que je suis suspendu pendant 2 semaines. Ah, merde. De le PPR, je crois. Ok. J'ai dit qu'à Karim, je le rejoindrai plus tard. Roméo, je voulais te dire un truc. Par rapport à Mia, tout ça. Est-ce que t'as eu des nouvelles ou pas? J'ai essayé de l'appeler, il répond pas. Attends, je vais réessayer. Vas-y, réessaye. Parce que moi, elle a pas mon numéro, enfin, je sais pas, elle l'a pas enregistré. Mais je pense qu'elle sait qui je suis, quoi. Faut qu'on réfléchisse avec Karim, on va se poser dans une ville là, tu vois. On va réfléchir ensemble. Faut pas qu'on se fasse griller en ville. Tu voulais pas les vendre? Si je me fais attraper en train de vendre, ça va être relou. Ça va remettre les trucs à zéro, quoi. Enfin, tu connais pas une villa ici? Une villa où on peut se poser avec Karim, comme ça tu envoies la position. À droite, à gauche. Je pense plus vers la gauche. Vas-y, allez-y, monsieur, allez-y. Putain, elle est belle sa voiture. Et Mia, Mia, elle est équipée, tu penses ou pas? Il y a des chances, hein. Dernière info, non, mais il y a des chances, ouais. Tu penses qu'elle a là, il y avait un garage, on aurait pu garer la voiture. Derrière, Mia, ça se trouve, elle se doute de quelque chose. Bah, je pense, hein. Là, à droite. Wesh. Ah. Oh, de la biatch. Ouh, loulou. Vas-y, hey, drague-la. Drague-la, Roméo, drague-la. Fais-lui du sale à Serbie. Schlamis. Ah ouais, c'est comme ça que tu fais. Sale pute, quoi. Wow. Wesh, allez, rap. Eh, madame. Wow, comment je l'ai éclaté, frère! T'es mal à la porte! Viens. Viens, faut pas qu'il voit avec le cadavre. Je la vois même plus. Oh, ouais, je l'ai dégoumé, au calme! Je crois que tu l'as tellement voyant, l'air. Je l'ai dégoumé, au calme! Ouais, donc Mia, tu sais pas.
tu sais pas si elle est armée ou pas, tu vois. Tu sais pas où est-ce qu'elle est, Mia. Enfin, tu sais pas si elle est armée ou pas, c'est ça. Elle répond pas. Attends, au pire, essaye de l'appeler. Je sais pas si t'as son numéro. Essaye de l'appeler, ça se trouve, moi, je sais qu'il y a quelque chose. Ça marche. Toi contre le mur. Ouais. Romeo contre le mur. T'es sérieux là? Je te prends ton téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Je te prends tes armes, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Bah écoute, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Jake? T'es la seule personne qui me relie au crime de Lazare. T'es le seul qui était au courant, ok? À part toi et Karim. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Écoute, écoute-moi, écoute-moi. Pour l'instant, rien n'est décidé, ok? Je te dis juste ce que j'en pense de la situation, ok? T'es la seule personne qui me relie au crime de Lazare. Tu t'appoucaves Lazare pour me sauver moi entre guillemets, d'accord? Mais le problème, mais écoute, clairement. Mais le problème, c'est qui me dit que tu vas pas t'allier à Mia parce que t'as peur qu'elle te bute pour qu'elle me bute moi? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu veux que je te dise un truc? Ouais. Mia, je voulais l'appeler pour la buter. Elle te fait pas confiance, frère. C'est mort. Elle te fait pas confiance. Mais c'est... moi, je voulais que tu la butes. C'est très... J'en ai rien à foutre d'elle. Je sais. Mais imaginons que moi... Elle voulait t'appeler. Imaginons que moi, je la bute et qu'au final, tu me poucaves au flic. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es instable. Que je m'en bats les couilles. T'es instable, on sait pas, tu vois. Je suis pas instable, Regarde. Lazare, c'était ton pote, t'as fait les 400 coups avec lui. Tu l'as quand même poucave. Pourquoi est-ce que t'as poucave Lazare à la fin? J'ai pas fait le. Mais parce qu'il voulait te buter. Ouais, mais. Il voulait te buter toi et Karim. Ouais, mais moi aussi j'étais poucave plein de fois, tu vois. Mais c'est pas pourtant que tu m'as poucave, tu vois. Mais pourquoi lui, qui était quand même assez proche de toi, pourquoi t'as voulu le poucave? Pourquoi ce retournement de veste en fait? C'est ça que j'ai envie de comprendre. Mais parce que moi, tu vois, je suis avec Karim. Je suis avec Karim et toi, tu vois. Et lui, il voulait vous buter. Donc il fallait bien que je vous sauve la vie. Ouais, mais pourquoi t'as décidé de me sauver? Parce qu'en fait, si tu veux, Karim, il était pas en danger. Karim, il était pas en danger, c'est moi qui est en danger dans l'histoire. C'est moi que Mia... Il voulait le buter. Non, le plan, j'étais avec Mia et Lazare quand ils ont mis leur plan en exécution. Le plan initial, c'était de soulever Sourdouf et ensuite de me soulever moi, tu vois. Ce que tu m'as appris plus tard. Mais le plan initial, c'était de soulever Sourdouf. Il a jamais été question de Karim. Karim, il s'est jamais comporté mal envers Lazare, tu vois. Lazare, il avait une dent contre moi, tu vois. Non, pas Lazare. Ton téléphone. Mia. Je me suis trompé. Ok. Je me suis trompé. Écoute, Lazare. Attends, j'ai mon téléphone. Ah, on verra ça plus tard. T'as mangé? T'as bu? Ouais. C'est peut-être ton dernier repas, on sait jamais. Hein. Non. Dic. Écoute, j'ai juste une question. Qu'est-ce que tu pourrais m'apporter dans cette histoire avec Mia? Sa tête. Mais elle te fera pas compte. Regarde, écoute. Je te donne le téléphone et tu l'appelles. Tu l'appelles uniquement elle, mais ok? Je regarde ton écran, appelle-la. J'ai déjà essayé de l'appeler. Essaye de la rappeler. Regarde. Ça bip. Elle te fait pas confiance. Si. Tu pourras jamais me la ramener. Et moi, je pourrais jamais avoir confiance en toi, tu vois. Dick. Ouais. Dès le moment où elle me répond, je te la ramène. Je te reprends le téléphone. Sur la tête de ma mère. Ça répond pas. Je te reprends ton téléphone. Retourne-toi, Lazare. Ah, j'ai encore Lazare en tête, t'imagines? Il me hante, frère. Mais c'est du passé, ça. Dick, écoute-moi. Mm-hmm. Sur la tête de ma mère, elle me répond, je te la ramène. Ouais, mais ça va être compliqué à mettre en place tout ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'en vérité, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression que tu peux très bien t'allier avec elle et puis ça va partir en couille, tu vois. Non. J'en ai rien à foutre de Mia. J'en ai absolument rien à foutre. Le problème, c'est que c'est toi le seul lien entre Lazare et moi, tu vois. Genre, s'il y a pas moi, personne ne sait que c'est moi qui ai buté Lazare. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais regarde, et pourquoi tu me l'as dit alors? Moi je savais pas qu'il était mort, c'est toi qui me l'as dit. Ouais, parce que sur le moment j'étais tu tellement... Tu m'as dit je l'ai envoyé Ouais, j'étais euphorique sur le moment, tu vois. Parce que j'avais complètement zappé que t'avais fait un retournement de veste, tu vois. J'avais zappé de ouf, tu vois. Après je me suis rappelé, je me suis dit mais en fait, il les a poucaves, tu vois. Il me les a poucaves à moi, pourquoi? C'est ça en fait, j'ai cogité, tu vois, j'ai pas mal mais cogité, tu vois. Pour te sauver la vie. Pour te sauver la vie. Je sais. Après tu vois, je te cache pas que je suis un peu... J'avais pas envie que tu crèves. Ouais, je sais, mais le problème c'est que je suis content que tu m'aies sauvé la vie, tu vois. Mais après, les flics, eux, ils pourront pas, comment dirais-je, démêler du faux du vrai, tu vois. Ils vont juste voir écoute, moi, tu vois, comme en tant que criminel. Le corps de Lazare, tu l'as foutu où? Tu l'as brûlé? T'as fait quelque chose? Tu l'as non, foutu où? Non, je l'ai laissé. Ils pourront jamais le retrouver. Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est vrai, il est pas super bien caché, mais voilà quoi. Écoute, Jake, moi je te dis. Je sais pas. Si t'appuies sur la détente, tu fais une énorme erreur. Moi je m'en bats les couilles, je vais pas aller poucave. J'en ai rien à foutre. Écoute. Moi, ce que je veux, c'est faire ma vie tranquillement. J'arrive pas à te faire confiance. Ça va être tellement compliqué. Tu sais, dans ma tête, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire, je dois buter Mia et je dois buter toi. Je dois buter soit toi, quoi? Soit Mia ou soit les deux. Bah ouais, je suis obligé de vous buter les deux parce que y a que vous qui me lie directement au meurtre de Lazare. Y a personne d'autre qui sait, tu vois. Écoute, à part Karim, mais Karim, c'est mon frère, Dick, tu vois. Dick,
Mais moi c'est mon pote. C'est mon pote Karim. Lazare c'est ton pote aussi, ou pas? Toi d'ailleurs. Mais non. Ok. Non. Prends ton téléphone. Je te passe ton téléphone. Prends ton téléphone. Et t'écris un seul SMS. Et le SMS là je vais le lire avant que tu le lances. Tu vas voir avant que tu l'envoies, tu vois. Tu l'envoies à Hawk. T'as son numéro Hawk? J'ai pas son numéro. T'as le numéro de quel flic? Sourd de ouf je crois. John tu l'as? Juste lui. Ok. Ouais. Je te passe ton téléphone. Tu prends ton tel et tu lui envoies un seul message. Tu lui dis Mia. Et je lui dis quoi? Écoute, tu lui dis Mia est en train de me braquer, elle va me tuer. Vas-y. Ok, alors attends, juste deux secondes. Je peux te parler deux secondes? Vas-y. Tu me laisses jusqu'à demain, grand maximum, grand maximum. Et je te la ramène, grand maximum. Envoie les SMS grand maximum à John. Demain. Ok, envoie les SMS à John. Je te passe ton tel. Je lui dis Mia est en train de me braquer. Mia est en train de me braquer, elle va me buter. Et j'envoie la position ou? Non, t'envoies juste un SMS. Oh, tu me tires, tu me butes pas. Envoie les SMS. Attends que je check avant que tu l'envoies. Tu me le montres. Regarde. Y'a Karim qui m'appelle. C'est pas grave. Envoie d'abord les SMS. T'as mis quoi dans les SMS? Je vois pas d'ici là. Attends, je vois pas, j'ai pas mes lunettes. Tiens, je vais te le lire. Mia est en train de me braquer. Ouais. M'a dit, je peux lire le message? Non, mais le message. Il vient m'envoyer. Non, là, il vient de me répondre, sourd de ouf. T'as dit quoi? M'a dit. Dis-lui, elle va me buter. Non. Dis-lui, elle va me buter. Tu lui envoies pas de position. La position. C'est bon, je l'ai envoyé. Arrange ton téléphone, je te le prends. Ça y est. Écoute, Jake. Roméo. Franchement. Juste une question. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Je crois. Passe-lui le bonjour. Déterminé comme DiCaprio. On sent la mort, il est scabrié. Certains mettent la coque dans sa blie. Mon tableau, si t'as pas habillé. DiCaprio. On sent la mort, il est scabrié. Certains mettent la coque dans sa blie. Mon tableau, si t'as pas habillé. DiCaprio. Faut pas avoir confiance, frère. Ouais, salut, fils de pute, c'est John Sordoff. De toute façon, je suis jamais sergent, donc laisse ton message et je te rappellerai. Le bâtard, il a changé sa messagerie. Il est sérieux, lui. Allô? Ça va ou quoi? Ça va ou quoi, mon pote? Eh, ça va, mon pote. Je suis au parking. C'est ok, j'arrive, à tout de suite. Ah, ok. Je vais récupérer ma bécane. Donc là, logiquement, mort RP de Roméo. Ah, ma moto, elle est là. C'est celle-là ou pas? Allô? Ça va ou quoi? Ça va ou quoi, mon pote? Quel est toi? Ouais. Alors, Edic, j'ai des infos pour toi. Ouais, vas-y. Roméo est en train de se faire braquer parmi... Elle l'a peut-être déjà tué. Ah ouais? Il m'a envoyé un message. Ouais. Il m'a dit, je me fais braquer par... Enfin, Mia va me tuer. Et du coup, il a depuis plus aucune nouvelle. Mais donc, il était avec Karim aux dernières nouvelles chez le coiffeur et puis chez les trucs des vêtements là, je sais pas quoi. T'as son numéro? Roméo, ouais, je l'ai, mais je sais pas comment te. Attends, t'es où toi? Moi, je suis au parking. Commissariat. Ok, tu as convoqué Mia ou pas? Non. Mais elle est pas en ville, si, elle est en ville. Bah, je sais pas, appelle-la pour voir. Je vais l'appeler, je te tiens quoi. Ok, bah, je viens au comico de toute façon, j'arrive. Appelle Roméo pour voir si. Vas-y, voir si va ok, bien. Ok, ça marche, je l'appelle, vas-y, oui. Direction le comico. Donc, John pense que Mia a tué Roméo. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, bonjour messieurs. Bonjour. Bah, je sais pas, il y a un homme à terre. Je l'ai trouvé à terre, moi j'ai appelé l'ambulance. Messieurs, vous allez bien? Messieurs? Oh mon dieu. Ça paye des pompettes. Allô Karim? Allô? Oui, je suis au comico. Je suis devant le comico. Tu m'as dit. Putain. Excuse-moi. Ah non, attends, John, j'ai des trucs à dire. John, il m'a appelé, frère, c'est urgent. Vas-y, j'arrive. Vas-y, frère. Agent Ellie, vous allez bien? Bonjour, monsieur. Monsieur DiCaprio, ouais, ça va, vous allez bien? Oui, vous allez? Oui, et vous? Ouais, superbement, ouais. Est-ce que agent Sourdouf est là? Je viens de le croiser, ouais, il est là. D'accord. Bon, je vais l'attendre alors. What? Il s'est passé quoi là? Il y a quelqu'un pour vous à l'accueil 17. Agent Ellie, il s'est passé quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous pouvez rentrer dans le bureau du capitaine, monsieur Dick. Je sais pas, je suis revenu, ils étaient là. Très bien, d'accord. Eh, fils de pite. Fils de pite. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va, on peut se parler de manière plus privée? Ouais. Ah ouais, c'est bon. Agent Sourdouf, c'est. Ouais. C'est des fils des pites là qui sont allongés là? Ouais. Ouais, c'est lui, il fait quoi? Il sert lui là? Ah, mais lui, ouais, oh là là, Karim!
Bouboule. Ah ouais, lui il s'est cru championnat du monde de motocross quoi. Non mais en fait Bouboule, je pense que il va encore faire passer un petit séjour en prison. Ouais, ça va pas lui faire du mal, ouais. Bon alors, venez. On va se mettre là-dedans. J'ai trop de fils de pite ici. Fils de pite. Ouais, surtout, c'en est où l'histoire alors avec Mia? Alors est-ce qu'ils ont découvert le corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Suis-moi, on va être plus à l'aise pour parler. Là, ouais, j'aime pas être comme ça dans les couloirs exigus. On va aller être au calme avec les caméras. Karim! Okay. Beau gosse. Wesh! Ça va quoi, mon pote? Ça va et toi, Habibi? On est là, Habibi! Bah ouais, mon gars! Ouais. Des nouvelles de Roméo ou pas? Que John, il m'a parlé. John, il l'a appelé. Il s'est barré comme ça d'un coup. Moi aussi, je l'ai appelé, il répond pas. Ok. Bah attends, on verra. Parce ça. Que je vais essayer de le rappeler, voir. Karim! Mal à ma tête. Pas de problème. Voilà, t'es beau gosse, hein. Aïe. T'es beau gosse, de ouf. Bon, toi aussi, t'es beau gosse, voilà. Faut qu'on parle. Ouais. Karim, t'inquiète même pas. Ah! Non, t'inquiète même pas. Ok, vas-y. Je vais me mettre là. Ah ouais, non, mais il est sérieux, lui? Non, mais viens. Prends ta voiture. Prends ta voiture, frère. Non, vas-y, ta voiture va se barrer là. Je t'aime, Karim, je t'aime! Voilà, je t'aime! Sale bâtard, là. Crie pas. Bon, alors, dis-moi tout. Ouais, je voulais savoir, c'en est où en fait par rapport à. À l'histoire de Lazare, est-ce qu'il y a une enquête qui a été menée? Est-ce que le corps a été retrouvé? Ça en est où? Alors, parce que du coup, hier il y a eu la pénurie là de provisions. Ouais. Oui, ouais, c'était. Ouais, hier c'était Rabat dans surprise, ouais. Voilà, c'est ça. Du coup, j'étais promu général. Fils des pètes. Général de la ville de fils des pètes. Ah ouais, lourd. Ok. Regarde où on est. Hop, tu fais contact. Waouh. Alors, au sein du Despidi. Oui. Il n'y a pas eu d'enquête qui a été ouverte, ok? D'accord. Alors, ou du moins, je n'ai pas été tenu au courant, parce que j'ai peut-être des gens qui me soupçonnent, il y a peut-être des gens qui me soupçonnent actuellement. Du coup, c'est un petit peu compliqué, ok? Mm-hmm. Mais, moi de mon côté, en tout cas, j'ai rien vu de suspect ou de contraignant. Ok. D'accord. Et c'est quoi, pourquoi tu m'as dit que Mia, en fait, braquait Romo? Ça veut dire que Mia, en fait, est au courant que Romo est la poucave? Bah là j'ai reçu un message. Parce que moi je l'ai appelé, moi j'ai pas. Il a pas répondu. Il se peut qu'il soit trop tard, parce que moi il m'a envoyé un message tout à l'heure. Okay. Et il m'a dit Mia est en train de me braquer. Je lui dis de fuck ta position, il m'a dit elle va me buter. Je lui dis t'es où? Allô, t'es là? Et plus aucune réponse. Okay. Donc je pense éventuellement qu'il est déjà. Tu peux pas convoquer Mia pour ce motif là? Pour l'entendre par rapport à ça? Attends. C'est quoi? Attends. Tu veux, est-ce que tu veux me dire un truc où je dois couper ma GoPro? Ouais, non, coupe la GoPro, c'est mieux. Parce que ce que je vais te dire là, c'est trop du sale. Alors juste pour te récapituler un petit peu le truc, John, c'est que donc par rapport à l'histoire de Lazare, qui voulait à la base te soulever et me buter moi, il y a seulement 3 personnes qui étaient au courant, ok? Il y avait, enfin 4 personnes du coup, parce qu'il y avait moi, il y avait Lazare, il y avait Mia et il y avait Roméo. Je me suis occupé de Lazare, j'ai pris les devants. J'ai eu raison, parce qu'effectivement, d'après Roméo, qui les a poucaves, il m'a tout dit, il voulait à la fois te soulever et me buter. Ensuite, il reste 3 personnes, dont moi, donc on s'en fout, il reste 2 personnes. Il reste Mia et il reste Roméo. Mia, je l'appelle, elle répond pas. Roméo l'appelle, elle répond pas. Forcément, elle doit se douter d'un truc. Ce qui se passe donc, il y a seulement 2 personnes qui potentiellement me relient en fait au meurtre de Lazare. Mia et Roméo. Roméo, tout à l'heure, je l'ai emmené dans une villa, je l'ai braqué. On s'est expliqué et je l'ai forcé à t'envoyer justement le SMS, te faisant croire en fait que justement Mia en fait le braquet ça le tuait. Et en fait ce SMS là j'aimerais bien que tu puisses peut-être éventuellement l'utiliser dans l'enquête en fait pour lui faire porter le chapeau, tu vois. Et je l'ai buté en fait, donc il est tout là-haut. Ok, donc il est mort. Il est mort, ouais, il est mort. Ok. Je l'ai braqué, je l'ai mis contre un mur, je lui ai expliqué clairement la situation, tu vois. Il y a que lui et Mia qui peuvent me relier potentiellement au crime, tu vois. Et vu qu'il est instable, il poucave à droite à gauche, je me suis dit, pourquoi pas, peut-être qu'il va aller voir Mia en lui disant, écoute, tu sais où se trouve, comment dire, Dick, il est traîné avec Karim à tel endroit, etc. Il va me poucave, il va s'allier avec elle. Elle va me buter et puis lui il sera tranquille, tu vois. Donc j'ai pas envie qu'il me fasse porter le chapeau. J'ai décidé de prendre les devants. Voilà, et là, fils des pètes. Attends. Vous êtes en train de me dire que Roméo et Lazare sont cuits. Ah, Roya thermostat 8, hein. Là il reste plus que Mia, frère. Frère, ma vie elle est en danger, Roya. Il y a un crime. Ouais. Les trois me reliaient, tu vois. Même moi, hein. Même moi, hein. Lazare et Mia ils veulent ma peau, frère. Mais frère, même Roméo, frère, il aurait pu te poucave 10 000 fois sur des trucs qui se sont passés. Même moi, il aurait pu me poucave 10 000 fois sur des trucs qui se sont passés, tu vois. Donc j'étais obligé de faire taire, tu vois. Mec, il est instable. Un jour, il me poucave moi, et un jour, il me poucave eux. Donc tu sais, il est opportuniste, tu vois. Je peux pas prendre ce risque-là quand tu
butes une personne, frère, c'est chaud, tu vois, on parle pas de voler un pain au chocolat, un truc comme ça, tu vois. Ah, je l'ai buté au calme. Et ça, ça Karim, okay. Karim, il est pas au courant. Hein. D'accord, bah en fait, je vais t'expliquer un truc, ok. Vas-y. Il faut en aucun cas que ça se sache. Tout ce qu'on vient de dire là actuellement, faut que ça reste entre nous. Ouais, mais alors attends, j'ai oublié de spécifier un truc. Le SMS que Roméo t'a envoyé, est-ce que toi tu peux l'utiliser dans l'enquête ou pas? Avant de dévoiler le contenu, est-ce que toi tu peux le dévoiler? Est-ce que tu peux. T'as compris oui, ou pas? Bien sûr, okay. Bien sûr. Parce qu'en fait. Ah, ok. Parce que, ouais. Ok. Bah ouais, mais regarde, okay. j'ai 170 de QI. Avant de le buter, en fait, j'ai dit prends ton téléphone et envoie un message à John. Dis-lui que Mia est en train de te braquer et qu'elle va te buter, tu vois. Comme ça, moi je suis tranquille, je me dédouane, tu vois. Et tu peux essayer de. Fils des pites! Fils des pites! Attends, j'appelle Mia de suite. J'appelle Mia. Faut que t'essayes de la convoquer, tu vois. Après, de toute façon, je comptais buter Capitaine, O, Carlito, Karim. Y'a pas. Doucement. Non ? Calme-toi. Ah, ok. Elle répond pas. Je pense, elle répondra plus jamais à aucun appel. À mon avis, ça va être ça. Elle va essayer de se la jouer, tu vois, genre en mode taupe, tu vois, la tête sous la terre au calme, pour essayer de se faire oublier, mais clairement. Mais si tu la convoques. Il faut. Si tu la convoques au Comico, ouais, j'ai de venir. Ouais, c'est ça, mais alors du coup, il faut pas que ce soit moi qui la convoque, faut que ce soit quelqu'un d'autre qui la convoque. Et je vais demander à Kyle. Ouais. Si elle peut la convoquer. Ouais, faut que tu. Ouais, voilà. Faut que John, quand tu la convoques, ouais. Faudra soit que je sois au Comico pour voir à quoi elle ressemble physiquement, et il faudra que tu la fouilles aussi. Enfin, que tu la fouilles pour voir si elle est armée ou pas, tu vois. Parce que si elle est armée, frère, c'est le premier qui dégaine qui a le fin mot de l'histoire. Non, mais de toute façon, elle a pas de TPA et logiquement, elle est pas armée. Hein. Non, elle a le PPA. La dernière fois que j'étais en discussion avec Lazare, elle avait le PPA et elle était armée, frère. Oui, avec Lazare, elle était armée. Je me rappelle très bien, on faisait une balade en moto, il y avait un cougar, elle a sorti le flingue. Oh, quand même, elle a buté. Ok, d'accord. Tu veux que je vérifie dans les fichiers si elle a le PPA ou pas ou Oui, non, elle a le PPA. Moi, je veux juste savoir si elle a une arme d'accord. Ou pas. Ok, bah, c'est quoi? Je vais faire une convocation. Roméo m'a dit aux dernières nouvelles, elle avait pas de flingue, tu vois. Mais vu les événements, vu la tournure des choses, c'est sûr qu'elle s'est équipée. À moins que ça soit vraiment bête, tu vois, tu peux pas traîner comme ça en ville. D'accord. Tu veux que je fasse du coup la convocation maintenant ou est-ce qu'on attend un petit peu? Oui, essaye de la convoquer, okay. Prépare la convocation et puis tu sais quoi. De 7 pour 2 bits. Est-ce que mademoiselle Cruz est en ville? Est-ce que vous pouvez la convoquer s'il vous plaît? Parce que du coup, elle a une amende à payer et je crois qu'elle doit purger sa peine. Je crois qu'elle a une heure de prison à purger. Merci beaucoup, Gaël, j'apprécie. Ok, c'est bon. Ah, ok. En plus, elle doit payer une amende, elle a $2,750 à payer. Ah, ouais. Plus, elle doit purger une heure en prison. D'accord, donc okay. Là j'ai lancé la convocation. Ok ça marche. Mais est-ce qu'elle va venir ou pas? Si elle vient pas, est-ce que vous avez d'autres moyens de la faire venir ou pas? Non mais de toute façon normalement quand t'es convoqué tu dois te ramener au commissariat le plus vite possible. D'accord, genre t'as pas, y a pas de, on joue pas avec ça quoi tu vois. D'accord, ok, ça marche ouais. Du coup cette histoire ouais ça reste entre nous, même Karim est pas au courant. Karim il est absolument pas au courant. Le corps de Roméo je pense pas qu'il va être découvert si tôt. Parce qu'il est dans une villa frère, c'est compliqué, la porte elle est fermée. Heureusement, les propriétaires n'étaient pas là, ils sont partis en vacances, tu vois. Donc, elle était vide. Voilà, donc je pense que de ce côté-là, on est tranquille. Personne ne sait qu'il est mort à part toi et moi. Donc, c'est clean, je trouve. Parfait, super. Ouais. Du coup, là, il reste plus que Mia. Par contre, on est d'accord que. Attends, il y a un appel là. John, j'ai une idée. Je prends l'appel ou vous prenez. Ok, ça marche. Ouais. Elle a une peine de prison à purger? Ouais, une heure. Y a pas moyen que tu me mettes à côté d'elle en cellule? Pourquoi? Que je puisse voir à quoi elle ressemble et qu'est-ce qu'elle a derrière la tête. Je suis pas loin, pourquoi, Kate? Bah actuellement en fait, je suis parti vers le nord là, mais super, merci beaucoup Kate, j'apprécie. J'aimerais bien que tu me mettes en cellule à côté d'elle pour que je vois à quoi elle ressemble physiquement, tu vois, son apparence. Moi, elle me connaît pas, tu sais, j'ai changé de coupe, etc. Je suis parti faire un petit peu de transforming, tout ça, donc je pense pas qu'elle puisse me reconnaître si je parle pas, tu vois. Juste voir à quoi elle ressemble physiquement, Écoute, si tu veux voir à quoi elle ressemble physiquement, je vais te montrer. Je vais te montrer un spot bien cool où je me mettais quand j'observais les fils des pites. Impossible de la traiter au Comico hein. Non, t'es sérieux toi, t'es un ouf ou quoi? Ah bah c'est pas, je demande, je sais jamais. Ça y est, Karim qui m'appelle. Ouais Karim. Bah c'est où toi? Je suis avec John Habibi, je suis à côté du Comico. Vous faites quoi en fait? Là on est en train de discuter là. D'accord. Ouais, okay. Karim. Bye bye. Oui, est-ce que tu peux l'appeler ou pas? Rien. Parce que j'ai pas de nouvelles de Romo, il répond pas, tu vois. Est-ce que tu peux l'appeler? Tu l'as appelé et elle répond pas? Il répond pas. Non mais elle, je parle de elle. Ah. Ouais. D'accord, vas-y. Essaye et puis tiens-moi au courant s'il te plaît. Oui. Mais je lui dis quoi? Juste voir si elle est déjà en vie, tu vois. Et okay. Essaye de fixer un rendez-vous avec elle si elle peut, si essaye de lui proposer de l'argent ou quelque chose comme ça, tu vois, n'importe, une excuse assez valable, tu vois. Ok, ça marche. D'accord, vas-y, merci à lui. Si.
Ok. Mais bon, regarde. Tu veux jouer en face ou pas? Ah ouais, de ouf. Ok. De ouf. Sinon. Écoute, John, j'ai une autre idée. Ouais. Quand elle fera sa peine de prison, il y aurait moyen que tu me foutes en prison en me donnant un autre nom, tu vois. Pas DiCaprio, tu vois. En me faisant passer pour quelqu'un d'autre, tu vois. Comme ça, je me mets à côté d'elle et j'essaye de. Je sais pas, de soutirer cette information, voir si elle veut me parler ou pas, elle laisse parler. C'est généralement quand on est seul en prison, quand quelqu'un qui est à côté de toi, on aime bien, tu sais, les langues se délient plus facilement, tu vois. Donc ce serait un moyen mais comme un autre, le problème, mais le problème, c'est qu'elle va reconnaître ta voix. Bon, au pire, je parle pas, tu vois, c'est pas grave. Mais comment tu veux soutirer des informations si elle parle pas? T'inquiète même pas, Roya. Face des pets, je peux changer la voix comme je veux à CRB. Comment ça? Non, t'inquiète. Bah, pour moi, ça paraît suspect et dangereux, tu vois. Ouais. Genre, bah ouais. Par contre, après le problème, parce que le problème, en fait, moi, le but, en fait, c'est de voir à quoi elle ressemble et ensuite de la prendre en filature, tu vois. Tu sais, je peux pas la laisser partir parce que tu sais, ok, tu la convoques une fois, elle va pas traîner 10 fois devant le comico, tu vois. Donc, moi, faudrait que je la prenne en filature. Et d'ici le temps que je descende du bâtiment, que je prenne une voiture, faudrait que je prépare ma voiture en dessous, tu vois, que je saute, que je démarre, etc. Et elle a une moto. Elle a une moto plutôt rapide, tu vois. 28, donc, écoute. Elle dit que t'as volé un camion de dépanneur, reculé. Jamais de la vie. Non, je pense pas. Non, c'est pas moi. Bah, je dis que j'ai que ça à foutre. Pourquoi? Ou quoi? Jamais de la vie, wesh. Boule. Ouais. Non, parce que je suis parti avec Dick tout à l'heure et. Non, c'est pas Dick. Non, ça peut pas être Dick. D'accord, dans la description physique, au pire. Terminé. Ça, c'est de la délinquance de bas étage. Boule, il a dit que c'est toi. Quoi?